Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour un tout nouveau podcast des grands auteurs. Et aujourd'hui, nous allons parler de Blaise Pascal. Blaise Pascal est né en 1623 à Clermont et est décédé en 1662 à Paris. Privé de sa mère à l'âge de 3 ans, il sera éduqué par son père. Enfant d'une grande précocité maladive, il réinvente la géométrie tout seul, en traçant à la craie des figures sur son parquet. À seize ans, il rédige un essai sur les coniques. À vingt ans, il prend place avec un naturel hallucinant parmi les grands esprits de son temps. À l'exception de la fameuse brouette que lui prête la légende, il est déjà l'auteur d'innombrables inventions, comme la pascaline, calculatrice mécanique considérée comme la première machine à calculer. À vingt-sept ans, après la mort de son père, il mène, revenu de tout, une vie de grand seigneur dissipé et futile. Après l'archimède enfant, il devient le Rimbaud mondain. Il a tout lu, sauf les romans. Il n'en a jamais ouvert un seul. À 31 ans, Pascal se convertit. Il lui reste alors huit années à vivre. Il les vivra en chrétien. On raconte qu'il aurait frôlé la mort lors d'un accident sur le pont de Neuilly, le 8 novembre 1654. Depuis cette date, il n'a cessé de porter sur lui la prière haletante, qui est la marque visible de son retour définitif à Dieu. La prière était la suivante. Feu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants, certitude, certitude, sentiment, joie et paix. Dieu de Jésus-Christ, oubli du monde et de tout, hormis Dieu, joie, joie, joie et pleurs de joie. On dit que depuis cette fameuse nuit de l'accident, une espèce de folie se déclare chez Pascal. On parle même de folie créatrice. D'ailleurs, son écrit Les Provinciales date de 1656, soit deux années après l'accident. Ce qui est vraisemblable, c'est que l'accident ébranle l'imagination du libertin, que son imagination le jette dans la dévotion, et que poussé jusqu'aux extrémités les plus sombres et les plus violentes, cette dévotion l'épuise et l'épuisement le tue. Dans son écrit Les Provinciales, Pascal s'attaque aux Jésuites dont le pouvoir n'est pas mince. Il s'y attaque avec une stupéfiante violence polémique. À partir de 1657, il travaille sans relâche à l'écriture d'un livre qui défend la religion. Malheureusement, ce livre ne sera jamais terminé. Il ne nous laissera que des fragments éparpillés que nous appellerons plus tard les pensées. En voici quelques exemples. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Il vaut mieux savoir un peu de tout que tout sur très peu. La conscience est un livre qui doit être consulté sans arrêt. En 1662, exténué par son travail, il meurt à l'âge de 39 ans. Pascal n'était pas simplement un auteur catholique comme Bossuet ou Claudel. Il est un catholique qui écrit pour convaincre tant les croyants que les non-croyants, mais aussi tous ceux qui s'interrogent sur le mystère de l'existence.